Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'imparfait et au passé simple en dictée. Nous allons tout de suite présenter le deuxième et le troisième tableau consacrés respectivement au son ion et yé avec l'aide de trois exemples. Ces tableaux vous seront ensuite très familiers puisqu'ils fonctionnent tous sur le même modèle. Je n'en ferai donc plus de présentation vidéo pour les exercices suivants. Premier exemple, nous ne payons jamais tout de suite quand l'ancien épicier était encore là. Alors, je vais commencer par la ligne 1. Est-ce que c'est du présent de l'indicatif? On pourrait le penser, mais il y a écrit quand l'ancien épicier était encore là. C'est donc dans le passé. Donc non, ce n'est pas du présent de l'indicatif. On me demande d'aller voir en 3. Est-ce que c'est un verbe en IER? Non, payer, c'est un verbe en YER et pas en IER. On me demande d'aller voir en 5. Ah tiens, justement, on me pose la question. Oui, c'est un verbe en YER. On me demande d'aller voir en 6. Est-ce que je retrouve le verbe à l'infinitif dans le radical? Alors, le verbe à l'infinitif, c'est payer, PAYER. Et là, il y a écrit, enfin, j'entends, nous ne payons jamais tout de suite. S'il y avait un R, je l'entendrais. Or, dans payer, il y a un R, donc non. Je ne retrouve pas l'infinitif dans le radical. J'ai donc ma réponse, j'écris Y, I-O-N-S, comme ceci. Voilà qui est bien étrange. En fait, ici, j'ai la terminaison de l'imparfait à droite, et à gauche, le radical à partir duquel je fais ma conjugaison. En fait, c'est comme si j'avais enlevé ER et que j'avais ajouté la terminaison de l'imparfait. Expliqué comme cela, c'est plus, on comprend mieux pourquoi il y a écrit YIONS. Mais c'est vrai que c'est une orthographe un peu étrange. D'où l'utilité de ce tableau. Voyons avec un autre exemple. J'ai déjà payé cet article. Alors, est-ce que c'est de l'infinitif? Alors, je vais remplacer payer par prendre. J'ai déjà prendre, j'ai déjà pris. Non, c'est pas de l'infinitif. Donc, non. Voire 3. Est-ce que le mot est employé avec un auxiliaire? Ou est-ce qu'il qualifie un autre mot? Je vois déjà que oui, il est employé avec l'auxiliaire avoir ici. Donc je vais répondre oui. Et je vais l'avoir en 4. Est-ce que c'est un verbe en IER? J'ai déjà répondu à cette question. Non. Je dois donc écrire yé, et, e ou ES en fonction des règles d'accord du participe passé. Ces règles d'accord feront d'ailleurs l'objet d'une autre activité, toujours dans la série consacrée à la dictée. Vous pourrez donc vous entraîner si elle vous pose problème. Mais pour le moment, je vais vous donner la réponse. Ici, ça va s'écrire YE, tout simplement parce que le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, que voilà. Et que dans ce cas, le participe passé s'accorde éventuellement avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Or, le COD, il est là. D'une part, il est masculin singulier, et d'autre part, il est après le verbe. Donc, pas de problème. Voyons un autre exemple. Vous payeriez pour un tel objet? Alors, voyons voir. Est-ce que c'est de l'infinitif? Non, là, le verbe est conjugué, c'est évident. Voire 3. Est-ce que le mot est employé avec un auxiliaire ou est-ce qu'il qualifie un autre mot? Ben, je vois pas d'auxiliaire, je vois pas avec quel mot il pourrait aller, donc non. Voire 5. Est-ce que c'est du présent de l'indicatif? Vous payeriez pour un tel objet? Non, manifestement, c'est pas du présent de l'indicatif, ça. Donc non. C'est de l'imparfait du conditionnel du subjonctif présent, voire 7. Est-ce que c'est un verbe en IER? Non. Est-ce que c'est un verbe en YER? Oui. Voire 10. Est-ce que je retrouve le verbe à l'infinitif dans le radical? Ah bah tiens, payer. Oui, je retrouve le verbe à l'infinitif dans le radical. Ah, c'est du conditionnel. J'écris donc payeriez I-E-Z. Eh bien, c'est parti. Voilà la réponse. Je vais m'arrêter là pour les exemples, vous avez compris le fonctionnement, alors à vous de jouer. Aidez-vous de ces deux tableaux pour faire les exercices de cette page. Bon courage!